Sophie Daï et la Trier, Yuri la Tortue, mandé population haïtienne là continuer mobiliser contre référendum là dans tout pays à qui pouvoir kembe dans pour date 27 juin qui a venu là et d'après éléments information semblé déjà gon premier lot matériel qui déjà arrivé dans pays là pour causer référendum ça pouvoir tête droite référendum en côté ancien sénateur Yuri la Tortue que nous tendez international là à travers une ox recevoir cop de l'état haïtien pour que vous mettez en place la question du référendum. Attention. Nations Unies déjà dit que le référendum ça n'est pas inclusif, n'est pas participatif. Donc, on ne comprend pas comment l'autre organisme, Nations Unies, a dépassé comme l'État haïtien. Et si a dépassé comme l'État haïtien, il y a une enquête qui pourra le faire sous comme ça, et le Sahara, pas d'où c'est étranger, parce que ça c'est comme l'État haïtien, ou pas d'où dépasser comme ça. Le acte que vous posez à son acte inconstitutionnel, son acte qui est illégal. Référendum, ça, c'est surtout tout travail qui était fait depuis le Sénat, question d'enquête Petro-Caribé, Dermalogue, enquête Sophie Daï, il y a besoin de mettre en côté, parce que m'a regardé, moi, ouais, que, premièrement, coup des comptes là, il y a retiré parti contentieux, ça, ou qui était parti administratif. Il a retiré nomination pour des comptes qui était sorti dans le Sénat, il a rendu pour ce parler qui fait. Et puis tout rapport pour des comptes, c'est le commissaire gouvernement qui a joué. Ça veut dire, il a besoin d'annuler la question de Caribea. Il a besoin d'annuler Sophie Daï, Paradouel, dossier Cabrit, tout dossier de corruption ça, yo, qui montait à plus de 5 milliards de dollars. Voilà la déclaration, c'est sénateur Yuri La Tortue, Jante Sodilala, un conseil électoral provisoire qui recevoit sans délai un premier cargaison matériel non sensible pour réalisation référendum dans le conseil électoral provisoire recevoir vendredi à dans après-midi premier cargaison matériel non sensible pour capable réaliser référendum à prochaine élection en de pays à c'est conseil électoral provisoire, c'est conseil qui a annoncé ça, rivé premier lot matériel non sensible ça yo. C'est ça, capable, journaliste capable sous contrôle de, CEPA, parce que c'est KEPA, vous dit bien. Premier lot cargaison matériel non sensible, ça, gain la donne, ça, les formalités, réception pour KEPA, yon premier lot matériel qui gain la donne, ça, indélébile, la donne, et quitte formation, c'est premier lot matériel sorti rivé pour réalisation référendum nan pour 27 juin qui a venu la pouvoir Kembe et réalisation en premier et tout élection pour fin année 2021 cap rivé là. Direction politique opposition annoncé à Pile Béton demain 18 mai pour continuer mandé départ président Jovenel Moïse qui d'après eux décidé Kembe pouvoir malgré fin mandat. Ancien sénateur Yuri La Tortue dénoncé pouvoir qui passe suspendre fait dérive tant qu'on négocie avec Bandi Captoué population. Ancien parlementaire fait qu'on a parti demain 18 mai à mobilisation tout relancé sous tout pays contre référendum et contre président Jovenel Moïse en côté déclaration de Jean-Philippe Massé. On a manifesté tout contre la question de sécurité kidnapping. Imaginons que dans le budget national, nous, le peuple là-bas est près de 20 milliards de goudes à la police, à l'intelligence, à contre intelligence qui n'a pris Mathieu dans le palais, pour yo mettre la sécurité. Et puis, pour me dire que comme yon baye là, c'est négocier à Bandi pour faire une vie fort, pour faire le corps, pour le gain et pour l'élever le kidnapper pas blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis à nous dire non, et pas forme l'État ça nous. Besoin l'État qui a baille sécurité à peuple. La règle, c'est peuple qui est dans la rue, bandit dans la prison ou dans le cimetière. Voici la règle. Et l'État, ça, n'est pas sécurité publique pour le bail seulement. C'est sécurité sociale pour tout le monde qui vit normal. Sécurité économique pour la classe moyenne qui investit dans le pays. Sécurité foncière pour protéger tout le monde et sécurité judiciaire pour la justice qui a également protégé ce qui est faible. C'est l'État, ça, que l'opposition a pensé et c'est l'État, ça, qui vous voulez remplacer l'État Malachonza. Nabdi, manifestation 18 mai, c'est commencement, c'est reprise mobilisation. Mais une manifestation qui va être permanente, c'est manifestation dans la section communale, dans le quartier, dans la commune, dans l'arrondissement, contre le référendum. Nabdi, jeunes, population,
jeunes yo population ça y a fait légal parce qu'il y a défendre constitution 87 là. C'est nèg dans pouvoir de facto yo qui pas légal parce que nous on l'état AI président de facto, premier ministre AI, gouverneur de la banque AI, chef de la police AI, tout le c'est dans sa constitution de dit peuple a défendre constitution. Voilà, ça c'est déclaration du sénateur Yuri et la tortue concernant mouvement qui est annoncé pour demain et mardi cap 18 mai. On a toujours été avec ces mouvements qu'a fait demain en Haïti ou à l'étranger puisque nous changé vendredi passé à l'Andega avec nos Astral Gary qui c'est un initiateur côté en groupe haïtien en diaspora décidé marcher demain tout même j'ai avec ça fait ici pour demander communauté internationale là surtout nos administrations Joe Biden pour pas supporter un président Jovenel Moïse et pour dire avec communauté internationale là suspendre fouiller bouche li dans cause pays hein. Rapidement ben fait l'exercice pour nous rapidement non pour la presse à ca média en ligne yo dans l'esprit non continuité pour retirer Haïti dans état critique lamentable ça que l'état corrompu irresponsable mettez nous pour faire le monde entier étant des cris Haïti cap gémi en bas botte yon bande pays faux amis pour dire trop sans couler trop gang trop crime trop gros âme automatique dans un pays qui pas fait zame qui gain en bas gros âme sous li malgré ça pas empêcher bandi joine zam à gogo pour alimenter insécurité, kidnapping, c'est trop à tort, c'est trop monde mouri. Nous pral di pays qui dit aux ses amis, pays d'Haïti, nous voulons l'autre forme, coopération, suspendre si pote pour voir qu'a violé droit monde, qu'a kidnappé monde, qu'a fait massacre tout partout pour yo qu'a tabli dictati, m'a dit qu'a 18 mai 2021, nous pral marcher pour nous dire Nations Unies, OEA, corps groupe, gouvernement américain, Canada, la France, Espagne, avec l'autre complice, nous pas tourner dans dictati encore. Pour voir ça, pas qu'à organiser élection, mandat tout dirigeant fini depuis 7 février 2021. Article 54-2, et puis Constitution 1987, là, amendé, dans article 284-3, pas bail personne droit pour faire référendum. Peut-être ça, un paquet d'associations, organisations, garçons, femmes, vaillants, conséquents, compétents, honnêtes et nationalistes, mettez à voilà, et INC, qui c'est voix haïtien qui vivent là-bas, avec Haiti Brigade, et a invité tout le monde dans une marche pour l'autre Haïti côté monde qui vive tant que monde marche ça pour organiser jour cap 18 mai 2021 qui c'est jour fête drapeau noir adresse marche là a fait c'est dans corner street soft race à Independence Avenue Washington DC avec quatre drapeau nous qui c'est symbole liberté à fierté nous nous prêt marcher ensemble avec un banatiste à gros personnalité pays nous gagne tant que Carole Demesmin Farah Juste Bitova Oba Kinkino La Rose Dedonné James Germain Isolac, l'autre surprise, toujours. Ça, c'est parmi, incapable de dire comme information. En somme, Haïtiens, ça y est, décidé eux-mêmes d'organiser un match demain tout pour dire non avec façon équipe ça mené back pays. Une, alors, monde qui s'y en bas, note ça, et puis qui, en même temps, c'est initiateur match demain, hein, c'est Ernst Wilson, Sabine Philippe, Astrel Jean-Garry, Yves Rose, Célestin. N'avance seulement avec information gain porte-parole organisation PEP cap lutté OPL Daniel Sigak qui t'a participé dans conférence direction politique opposition Tbay pendant week-end là mais il fait connait tout acteur dans opposition renouveler engagement yo pour camper bon côté population demain 18 mai cap vini là dans cadre mobilisation qui lancé Daniel Sigak ba garanti après départ régime tête calé opposition pral remettre pays à Souraili pour pays à reprendre droit grande dette Majeli, on écoute Daniel Sigia Kanamiko, Jean-Philippe Massé. Je dis à la opposition haïtienne, non, lui-même, lui entendit sur tous les préalables. Sur dénominateur commun, là, nous pas contre allié. Par exemple, il y a un régime qui torture le peuple haïtien, qui met la vie de la société haïtienne en danger. Toute opposition haïtienne, non, entendit pour le combattre. Toute opposition haïtienne, non, admet. Et après catastrophe PHTK, d'ailleurs, Jovenel Moïse t'es gagné pour être capable d'appliquer la constitution haïtienne dans le respect des règles démocratiques et qui oblige à organiser des élections que le pas jamais organisé, puisque temps passé, je dis à son de facto que le gagné, pas gagné route pas bois, c'est un pouvoir de transition qui pour prendre tête PIA, pour réorganiser PIA, qui pour venir réaliser des élections. Mais toute opposition entend ni sous ça. Sous question de référendum, moi, Paléa, toute opposition entend ni sous ça. En aucun cas, pas qu'à gagner référendum dans le pays.
puisque l'illégal constitution pas permettre li ça et moun qui a mené yo yo pas gain qualité yo pas gain droit yo pas gain légitimité pour porter un projet comme ça. C'est toute opposition sur question de départ ordonné. Mais regardez la question de départ ordonné, c'est pas jeudi à non opposition a travaillé sur départ ordonné de Jovenel Moïse. L'accord de Mayotte, c'était une démarche de départ ordonné. L'accord du 30 janvier 2021, c'est encore une démarche, un départ ordonné de Jovenel Moïse. Jusqu'à présent, départ ordonné qui a fait débat dans les différents leaders dans l'opposition. Là, c'était parole à Daniel Syria qui est même dans le micro collaborateur nous Romane samedi de préférence. 18 mai, ça a eu occasion pour ébattre drapeau à Valel d'après ancien sénateur Sora Jacinthe qui a déjà félicité diaspora haïtienne qui a manifesté dans Washington demain 18 mai qui a fini là. Ancien sénateur a encouragé tout le monde pour poter coller dans la date ça pour continuer la bataille pour payer à reprendre visage li. En côté, ancien sénateur Sorin Jacinthe. La très difficile pour nous faire, pour international là, pour diaspora, pour Jovenel aller, si nous-mêmes, la jeunesse, les femmes, les hommes, les associations, les partis politiques, journalistes, tout secteur de pays, l'Église, si nous-mêmes, nous pas recommencer avec mobilisation ça, et date 18 mai ça, pour nous rebailler drapeau à Valéry, le côté symbolisme que drapeau à nous connaît ça représenter pour nous, si nous-mêmes, nous pas manifester. Diaspora, depuis un mois, il y a planifié, à mobiliser pour y aller marcher la Washington, pour y aller marcher la New York, pour y aller dire Biden, santé du diaspora haïtien, hein, c'est pas ça fait. Parce qu'on devine mettre à nous devant nous, pour te dire nous, ou bral aider nous, pour nous voir comment nous capables de voyer Jovenel aller, parce que mandat, d'après article 134.2a, l'infini, c'est pas ça fait. Mais si nous-mêmes, je dis, si nous-mêmes, aujourd'hui, nous étions dans Port-au-Prince, nous étions dans le pays, nous étions dans tout le département, jeune, c'est vrai, on va y commencer. Mais si nous ne pouvons pas reprendre la mobilisation, gens que nous reprenons, nous allons dire, bon, écoutez, son pays qui a marché. Malgré gang, ils ont fait une sortie courante. Malgré gang, ils ont fait un souci, les ouvrés. Donc, nous pensons que la mobilisation, ça, c'est important. L'important pour nous porter bourré, pour nous supporter, ça qu'a fait avec diaspora la Washington, ça qu'a fait avec diaspora la New York. Donc, je pense que 18 mai, il faut l'approprier. Pas approprier parce que c'est dit pour nous seulement, ou c'est journaliste. Travail nous devons faire dans le pays, ça. Pour nous avoir l'autre nation, l'autre pays. Pour nous finir avec question corruption, je pense que quel que soit, gens, nous-mêmes, dans le parti politique, n'a pas fait travail avancé, n'a pas fait article 134 là pour l'appliquer, pour Jovenel 134.2 pour l'appliquer. Je pense que mobilisation, s'il n'est pas fait, eh ben, c'est comme si n'a lavé même nos yeux la tête. Donc c'est ça qui fait que nous demandons, jeunes, tout pays en général, 10 départements, parce que 11e département, vraiment, lui montrer que le campé, lui montrer que le livret, Entente nationale pour une transition coupée fâchée, critiquer comportement certains acteurs politiques qui voulaient faire comprendre départ ordonné à Vledi, cohabitation d'Elson Sirius, une politique qui s'est précisé et signataire document sable, chercher une solution pour après départ Jovenel Moïse d'Elson Sirius, quoi mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021, mais il faut que je ne formule pour capable remplacer en côté le micro Romane samedi. Ce n'est pas le moment pour nous essayer de m'interpréter, construire des discours fallacieux, parce que nous avons un président dans la poche, nous avons des marches pour nous imposer le peuple, et un président lorsque nous avons une urgence politique pour nous gérer. Écoutez, monsieur, nos situations est particulière et qui demandait quelque part une concertation entre acteurs qui sont dans l'opposition pour nous planifier comment Jovenel va aller, monsieur.
Est-ce qu'on la met Arnel? Il n'y a pas lever comme ça l'aller. Parce que je dis, si l'aller, côté de braler, nous pas qu'à dire braler dans le cours de cassation. Nous pas qu'à dire braler dans le judiciaire là. Parce que nous désordre. Son équipe nèg qui a fait désordre dans le pays. Mais monsieur, le minimum en opposition, il faut que nous pensions comment pour nous préparer après Jovenel, comment pour Jovenel aller. Même sous le minimum, pas le fait qu'on groupe les gens. Président en poche, elle besoin imposer. L'autre entité a dit, monsieur, nous pas qu'à faire ça comme ça, parce que nous avons un pays pour nous gérer, nous avons une question massacre, nous avons une question procès, nous avons un pays à la qui est en débandade sur le plan social, économique et autres. Il faut qu'on planification qui fait entre nous en dans opposition pour nous d'accord comment Jovenel doit aller. C'est comme quoi, Jean, il y a construit discours sous des paroles données, assez dit d'ailleurs, nous dit ça. Départ ordonné par cohabitation. Ancien député Jean-Robert Bossé, qui a participé à l'émission Panorama Satou, dit lui-même tout exprimé réserve les sous-documents Satou qui pas accès, qui pas assez clair pour certains acteurs d'opposition. Ancien député a croyé document ça vient créer plus division dans mitan secteur ça. Ancien parlementaire a fait qu'on est document ça t'est doué discuter dans moment toute opposition avant le terrain public. En côté, ancien député Jean-Robert Bossé dans micro Romanes samedi. Parce que notre là, il fait un bagage qui est extrêmement qui est grave. Il fait rappel de 5 positions exprimées par des organisations internationales comme BINU, l'OEA, OIF, etc., Core Group. Alors que ça qui est insultant, et dans ça, c'est que d'aucune de ces organisations n'ont pas jamais exprimé clairement sous la fin de mandat de Jovenel Moïse, sous la nécessité d'organiser une transition démocratique en Haïti pour procéder au jugement de criminels, de monde qui fait crime financier, etc. Et puis, l'autre aspect encore, c'est l'utilisation d'un vocable utilisé par organisation SAO, qui parie connaître mandat Jovenel fini, qui parie en position sur référendum, qui dit que c'est illégal. C'est dès que li techniquement possible. Pour me laisser pour ton lumière sur question ça, pour qui ça le bail problème. L'utilisation ça, et Sirius, négotiement réfléchi, li suspect. Les map gardé, c'est des termes utilisés par OIF, utilisés par BINU. Des termes utilisés par de monde qui a supporté. Exactement, oui. Et qui par exemple ont position arrêtée, claire, qui par exemple exprimé, ils ont piqué devant Jovenel, c'est 2022. Militaires de base Haïti en action à Paris pour manifester demain 18 mai à Cap Vidéla contre pouvoir placer dans l'occasion fête drapeau à toute disposition déjà pour déroulement manifestation ça n'a pas Port-au-Prince avec dans diverses villes provinces d'après coordonnateur général ensemble organisation base à populaire opposition AAA Koussi David qui a annoncé population pour le voyer un signal clair par président Jovenel Moïse pour dire lieu pas dans dossier référendum avec élection livré réalisé dans pays militant politique lancé appel by tout citoyen pour porter coller dans mouvement protestation ça en côté Koussi David qui était dans micro Koussi David qui était dans micro Josué Belamou. Nous on va libérer. Nous va vous faire clair. Mais c'est fini donc les Jovenel Moïse là. Pour lui Jovenel 27 juin fait ça que le référendum. Depuis la mission prend pouvoir ça. C'est vous qui avez partout. M'a dit pas que c'est anglais, non, non. Mais depuis la journée de Moutéa, monsieur officialisé, tout kidnappeur. Population haïtienne, pas d'accord référendum. Population haïtienne, pas d'accord élection. Je dis, quand on a parlé à là, écoute, ben, d'abstirer les signes de soleil. Mais là, nos situations qui sont pas difficiles. Mais là, nous pas crier, mais ça avec un pile, dans les yeux, les a constaté, valait mourir qui mourit. C'est notre fixe. Nous venons dire, à ma libérale, n'attendons tout le monde. Et hier, nous avons rencontré fait avec Toto Makout, que nous avons la terre. Nous avons dit la preuve, avec la chute de pied la terre. Nous avons tout dit Toto Makout, ça. Ou alors, personne ne nous joue de l'hiver pour nous capables d'investir trop. Un président Jovenel Moïse n'a pas gagné aucun titre à qualité pour organiser référendum à élection d'un pays, d'après le secrétaire général AAA, et pour le département de l'Ouest, Jean-Hervé Antoine, qui rappelait mandat président Jovenel Moïse, a fini depuis 7 février 2021. Jean-Hervé Antoine critiquait une frange dans la communauté internationale, il dit qu'il jusqu'à présent, que mes chefs l'État n'ont pas les nationales. Ça, c'est parole Jean-Hervé Noël. Plusieurs organisations de base, tant qu'on combite organisation politique, syndicale, à cap
populaire, bataille ouvrier, pour ne citer ça ou seulement, qui était organisé sitting devant ambassade américaine, m'a dit qu'il était 12 mai passé à dénoncer police nationale, là, il dit qu'il était utilisé gaz lacrymogène pour craser sitting ça, alors qu'il était pacifique, d'après professeur José Mérilien, qui a encouragé population haïtienne, non, continuer à mobiliser une manière pour permettre pays à reprendre droit grandet li. En côté, José Mérilien. Devant l'ambassade là, nous voyons comment la police politique Jovenel Moïse avec Léon Charles là, t'es un pile gaz et t'es un gaz à 3-4 reprises. Chaque fois que foule là a retourné, vous le venez exprimer ras-le-bol-li par rapport au fait que nouveau pays qui vassalise au pays côté américain, les conseils avec Jovenel et toute la triée complotaire, prend la fête tournée, l'on a fait, yo cher gang. Donc, nous avons résistance pour l'un, malgré gaz, ça va empêcher que nous défaitions normalement. Et nous dit, je vous dis, c'est 14, nous avons l'école supérieure, longue journée d'activité, nous avons débat avec Kodjaï, et parce que vous qui a boumé pour essayer de payer à côté de la tour, vous-même, il y a 3 journées de prière, délivrance pour Haïti, Kabout, et journée et 17 là, avec yon mobilisation sous télé, dans tout Kafoua et dans Port-au-Prince, il y a un Kafoua résistance. N'après 18, ici, pour le Bordeaux. Sous bon par le représentant secteur démocratique, la Fernando Duclerc fait qu'on ait calendrier mobilisation après poursuivre pendant le continuer, encourager population à participer à Pasteur dans 3 journées prière qui a fini jeudi, et puis tout annoncé une manifestation, yo baptisé, chauffé Jarrette jeudi 17 mai, et puis yon go manifestation pour demain et mardi 18 mai, j'en noté le temps, faut attendre plusieurs extraits sur dossier ça, en côté Fernando Duclerc, dans micro Alix Gauthier. Jeudi, qui c'est 14, vendredi 14 là, gagné un débat dans l'école normale, côté nous y est la ville de Dia, sous thème drapeau et souveraineté. Mobilisation Pape Campé, la continuer. Pasteur yo, ka bataille, pasteur qui nécessite plus bataille là, yo lancé 15, 16, 17. Et que secteur démocratique, la organisation de base, le combat, alliance peuple, femme vaillante, MOPOD, ou ensemble d'organisations, pas des noms, nous tous nous ramasser. Bataille ouvrier, esclaves révoltés, diverses organisations, nous c'est d'Orval, nous d'accord pour nous ramasser. Et nous dit 15, à bien une journée de prière pour délivrer Haïti. Le 16, à bien une journée de prière pour délivrer ce pays d'Haïti. Le 17, pour nous finir avec, nous prétendons tout le monde à 4 fois pour 11. 4 fois pour qui basé 4 résistance, nous prétendons tout le monde à 11. Et à 1h, nous faisons chauffer Jarrette. Voilà, Fernando Duclerc, occasion tôt pour moi, souhaiter et sévère par voie non. Et yon bon bataille avec tout enseignant, puisque je dis à ces journées nationales enseignants. Et nous connaissons qui ça enseignant yon même yon contribué dans le monde que nous avons dit à différents mondes capables de dire. Vu nos présidents, sénateurs, députés, en journalistes, en médecins, en ingénieurs, quel que soit dans le champ que vous avez dit à, ou t'es joint un petit goût de l'eau ça qui t'est tombé pour capable de permettre que ou même vous venez soir et jeudi à. Eh bien, nous connaissons chapeau bas devant tout enseignant, quel que soit dans la dimension que vous avez, enseignement primaire, secondaire, enseignement supérieur, je dis à nous souhaiter bonne fête avec tout enseignant. On a occasion surtout des UNO qui pral marquer 30e anniversaire côté a organisé ça il y a un débat à la veille tout 18 mai cap demain en tout sous thème éducation et rupture nécessaire à la construction de nouvel état. Et bien sous thème ça c'est grand thème là. Ça cap comme sous thème c'est conditions enseignantes et éducation de qualité. Éducation de qualité et construction du nouvel état. Parmi intervenants, a bien Pierre Michel Chéri, écrivain, Sabine Lamont, sociologue, Ernst Jean-Pierre, anthropologue, artiste, puis Ilionor, lui, qui s'est doyen, faculté, ethnologie. C'est ça, non capable, comme activité d'occasion, Journée nationale ancienne, que UNO, lui-même, comme son syndicat, qui a bataille en question pour permettre une meilleure condition pour ancien, que il a organisé, je dis à l'occasion. N'a dit que Association haïtienne journaliste économique pour développement durable lancé vendredi passé à là, un concours reportage sur économie et finance, intéressé au capable inscrit sous site association sorti 14 pour bout 28 mai qui vini là d'après Anne Simons qui c'est secrétaire général association qui a expliqué critères pour un journaliste participer dans concours ça qui a gagné gagnant par catégorie par chaque catégorie en côté Anne Simons dans micro José Bellamour critères ou bien règlement yo pour monde li attaché à un média ça veut dire faut la travailler en média
Deuxièmement, il faut l'activer dans le pays. Troisièmement, il veut présenter un projet, c'est-à-dire l'idée reportage que l'on a, dans le formulaire que l'apprenti a, la bien possibilité pour être capable de faire tout détail sur le projet que l'on a l'esprit là, pour qu'il y ait un travail sur lui. Qu'a fait d'abord inscription à partir de jeudi à que l'on là, qui c'est 14 mai 2021, au monde qui allait sur le site AGED là, www.ahjedd.org, maintenant, à monter sur ce site-là, que ce soit sur smartphone, le téléphone intelligent, que ce soit sur ordinateur, il y a des possibilités pour être capable de monter sur ce site-là. Et dans le menu, sur ce site-là, il y a un espace qui est le concours. Vous cliquez sur le concours-là, il y a deux formulaires. Un formulaire qui est règlement, qui baille tout détail pour respecter, qui parle, qui j'ai un concours à dérouler. Si vous êtes d'accord avec ça, qui est un règlement, la bien accès pour qu'on y ait capable de remplir le formulaire. Donc, là, on a fini de remplir le formulaire là, c'est inscription qui a fini le 28, parce que l'inscription a duré 15 jours, 14 mai pour 28 mai. Après 28 mai, on n'a pas bien accès pour capable de remplir aucun formulaire sur ce site là encore. Après, période d'inscription, on va bien, on sort de formation que vous allez faire avec tout le monde qui inscrit. Après formation pour les gens qui inscrit, pour aller un jury. Jury, ça lui-même, il pourra garder potentialité ou bien portabilité projet. Jury, ça lui-même, il a bien pour choisir 15 projets. Voilà, c'est le secrétaire général Association Journaliste en Non-Affaires Économiques, c'est Hans Simons. Avant de nous venir avec un collaborateur, nous, Alex Gauthier, pour question rubrique prix manger, pour nous connaître que pendant ce moment-là, prix manger augmenté. Bon, pas même demander à Alex de monter parce que de la grimper, moi, de temps en temps. Mais là, nous allons avec information ça, mais nous avons venu en détail tout à l'heure, dans la rubrique Rentre-Provinciaux avec Guino Duvernay. C'est concernant l'installation nouveau directeur départemental police Nord, là. C'est Jean-Louis Paul Ménard. Bon, on connaît ce nom, Paul Ménard. Mais Paul Ménard, ancien DDO, ancien responsable CIMO, et commissaire tout ça, qui je dis à là, c'est lui-même qui vient directeur départemental police Nord. Mais monsieur commissaire divisionnaire Julien Jean-Claude, il prend fin après 4 mois, il était passé dans la tête direction départementale police Nord. Mais dimanche, à hier 16 mai 2021, c'est nouveau commissaire divisionnaire qui répond au nom de Jean-Louis et Paul Ménard qui remplaçait le poste ça. Jean-Louis Paul Ménard, il était chargé, l'étape de travail, alors, chargé bureau, inspection générale, police nationale d'Haïti, dans grand, alors, c'est, alors, pardon.